Attends, je réfléchis. Oh là là, The Haunting of Hill House. Bonjour tout le monde, alors c'est Annabelle Le Breton et aujourd'hui je suis chez moi pour pas changer. Je le passe avec mon copain mais là il est au travail donc je suis toute seule. Quoi m'y fait de mon confinement? Donc m'y fait un tas de trucs, m'y fait à manger, m'y adore faire les repas gastronomiques, m'y adore faire de la pâtisserie, inventer mes propres sets. J'aime jouer au piano parce que j'ai un piano, guitare électrique, guitare acoustique, même un harmonica quand je m'ennuie beaucoup trop. J'adore aussi chanter, j'aime aussi me maquiller, faire des soins, beaucoup de sport aussi. J'essaie de faire beaucoup de sport, même si parfois c'est difficile et qu'on a la flemme. Et je regarde aussi beaucoup Netflix. J'ai pas besoin de ramener 10 paquets de 12 chez moi, donc j'en ai acheté 2. On sait pas combien de temps le confinement va durer, donc vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit si bien. Donc j'en ai acheté 2 et si j'en ai plus, je vais refaire mes petites courses et acheter les choses qui me manquent, genre des pâtes, du riz, du poisson ou quoi que ce soit, ce qui me manque quoi. Mon copain, mais j'hésite pas à tous les jours passer un petit coup de fil à mes sœurs et à ma maman pour prendre des nouvelles. Le confinement, il faut rester chez soi, mais s'il y a un cafard, et ce sera son nouveau domicile. Je l'offre mon appartement. Reste, vis, moi je fuis. Merci les réseaux sociaux, merci mon petit crédit qui arrive la fin du mois sur mon compte. Donc je peux passer des coups de fil ou l'envoyer des messages. Et avec mes sœurs, c'est FaceTime ou Snapchat, on s'appelle sur Snapchat souvent. Vu que la mer ne vient pas à moi, je ramène l'eau chez moi. Oui, j'ai acheté une petite piscine. Mais allez, juste un petit bassin d'eau pour pouvoir bronzer et me rincer dans ma petite piscine. Donc bientôt, mon endroit préféré sera mon balcon. Je pense qu'avant, on faisait pas vraiment attention. Par exemple, on sortait du supermarché, certaines personnes ne prenaient pas la peine de se laver les mains ou mettre des gants ou mettre un masque. Et je pense qu'après, les gens vont avoir peur. Et moi aussi, je vais continuer à avoir peur, ça c'est sûr. Si quelqu'un commence à tousser ou à agoniser à côté de moi, je vais... J'ai un livre à conseiller, c'est L'Outsider de Stephen King. J'adore les romans, tout ce qui dit policier, thrillers. Thriller. Donc j'ai re-regardé encore et encore Stranger Things. Franchement, pour moi, c'est la meilleure série. Et j'ai aussi regardé Jane the Virgin saison 5. Enfin, ils ont mis la saison 5 sur Netflix. Donc voilà, Jane the Virgin et Stranger Things. Il y a un film qui est pas mal aussi, c'est La Plateforme. Oh là là, The Haunting of Hill House. Vraiment, ça, c'est une série d'horreur que j'ai kiffé, surkiffé. Et j'ai hâte de la saison 2. Je vais descendre dans le sud pour aller voir ma petite maman d'amour. Ce que je vais faire aussi, c'est me trouver un petit job étudiant et manger. Écoutez bien ça. Un buffet de sushis à volonté. À volonté. Mais vraiment, je dévalise le restaurant de sushis. Tous les restaurants de sushis de Lille. Je rêverai d'un buffet de sushis. Donnez-moi mon buffet! Que ce confinement, il y a beaucoup de personnes qui le prennent à la légère et honnêtement, moi aussi au début je le prenais à la légère, mais je me rends compte avec le temps, ça fait déjà plus de 20 jours qu'on est confiné et il y a déjà plus de 300 cas à La Réunion.